Allez. Alors, ça fait penser pendant le chargement. Ouais, je vais réduire un peu la taille de la fenêtre. Voilà. Comme ça, je pourrais bien avoir le chat. Oh, mais en gros, sagouin que je suis, j'ai oublié de vous dire bonjour. Yo, c'est Calame. Et du coup, nous allons pouvoir nous attaquer à la quête principale et aller visiter ce campement et le saboter comme des gros sagouins. Alors, vérifions un petit peu notre matériel. Nous avons sur nous. Nous avons sur nous toc, l'arc de chasse de Capon, la bague de Bianca, des bras pour être plus furtif, un casque, des chaussures, des choses courtes, donc du blindage. Non, j'aimerais que tu m'envoies ton inventaire, merci. Des chaussures, une coiffe noire, mon collier de mailles, une cubitière en plate, un combinaison sombre, des gants rivetés, un hoqueton court noir et le trancheur d'âme. Très jolie épée. Bref, je suis furtif, surtout si je retire tous les trucs là, genre ça, 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 et ça. Je suis ultra silencieux. 10 de bruit. Je suis invisible. Donc j'ai aussi un bouclier, ça peut servir. Faudra que je me trouve une arme à une main. De préférence, une masse ou une hache. J'enverrai peut-être une dans le camp. Mais pour l'instant, on a de la route. Donc on se met en armure. Je pense pas que ce soit la peine d'aller faire la toilette dans les bains, vu qu'on va crapuler en forêt. Donc, partons déjà vers Tannberg. À cheval, par contre. Ce sera peut-être mieux d'y aller à cheval. Mon cheval de ninja, Galet. C'est parti. Berg. Donc, on va voir ce que ça donne si on arrive à être suffisamment furtif. Je n'ai malheureusement pas débloqué la compétence d'assassinat. Donc nous allons partir en reconnaissance, voir combien de personnes il y a. Arrive en sécurité à Tannberg. Voyons voir. Il va falloir s'enfoncer par là, par la forêt. Au camp de bûcheron et au croisant de la cabane en ruine. Salut, capitaine. C'est normal. Fais tes devoirs, fais donc tes devoirs.
Bûcheron, je peux y voler à la tire. Alors la cabane en ruine. Alors est-ce que je peux juste consulter mes quêtes parce que je me souviens plus de la description qu'il en avait fait. Quête. Alors, selon la taverne à gauche de la maison abandonnée. Les infiltrés ne seront guère maniérisés. Suivre au chemin après le campement jusqu'à atteindre une cabane en ruine. Pas ça. Ah, ça doit être celle-ci. Très bien, et par où ensuite? Tout droit jusqu'au prochain embranchement près d'une clairière avec un grand être. On va y aller à cheval, ce sera mieux. Invocation de cheval, je sais, je suis magicien. Ah, ça doit être ça. Prends à gauche et suis le chemin jusqu'au prochain croisement. Le problème c'est qu'il fait beau, ça m'arrange pas s'il fait beau. Je préférerais qu'il fasse moche vu que je suis plus silencieux quand il pleut. À gauche et suivre le chemin jusqu'au prochain croisement, et je crois qu'il faut encore prendre à gauche. Par ici, monsieur, aidez-moi, je vous en supplie. Par aller. Monsieur, je vous en supplie, pourriez-vous... Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis parti à pied de Kuttenberg, mais je suis déchaussé, comme vous pouvez le constater, juste pour que je puisse au moins me... Ouais, sur moi, attendez, juste... je vais voir ce que je peux faire pour vous. Bandage, hop. Merci, monsieur. Merci beaucoup. De rien. Voilà. J'ai aidé le mendiant, donc il va pouvoir y aller. Et du coup, maintenant... La quête, c'est... Heureusement, le commandant devrait se trouver quelque part devant moi. Éviter de marcher sur la route. Hein. Encore est quelque part par là.
Oh, je vois le camp. Révise la vis. Non. Ah voilà. Saboter le campement avant la bataille. Le truc c'est que là, vous pouvez mettre feu à leurs flèches, empoisonner la nourriture. Alors on va empoisonner la nourriture et ensuite on va mettre le feu à leurs flèches. Parce que justement j'ai fabriqué du poison. Alors j'ai fabriqué 4 potions de fléau. 4 potions de berceuse. Et une potion inconnue qui sert à rien. Presque envie de la boire juste pour voir ce que ça fait, mais on va éviter. Parce que j'ai mis du poison dedans. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper en mode fufu. On va retirer tous les trucs qui peuvent faire du bruit. Attendre quelques heures. On va attendre la nuit en fait. Là j'attends de voir déjà si y a la pluie qui se ramène. S'il pleut de nuit, alors là on est goldé. Ah, toujours pas, hein, il fait beau. Putain. Et là, il a commencé à faire noir. Juste se rapprocher un tout petit peu. Il y a des douves. Les traverser nous prendra du temps et il n'y aura aucun moyen d'esquiver les flèches. Alors, au niveau de nourriture. Fléau, on va pas le manger, fléau, on n'est pas fou. Tomber dans la douve.
Hop, voilà. Ouais, je me suis fait mal en plus. Ah, et la connexion qui part en couille. Ouais, c'est génial. Un pan, oui. Grimpe. Une heure de plus. Comme je ne vois rien. Ah, la connexion qui part totalement en couille. La visibilité est nulle. Putain de merde. On voit rien du tout. Ma connexion part en couille, du coup, le stream est dégueulasse. On y voit quelque chose à peu près. Ah, j'ai tourné en rond quoi. Alors, voyons voir. Je commence à manquer de sommeil, génial.
Ouais, peut-être que par ici il y a un passage en amont, un passage à gué. Non, y a rien. Décarpissez, vous n'avez rien à faire là. Marconnier, ça je m'en fous des marconniers. Alors attendez. Bon alors. C'est visiblement trop loin tout ça. Je ferais mieux d'avaler un morceau. Je commence à avoir faim. Ah, t'attends un peu. Deux heures encore, donc oui, je vais commencer à manquer gravement de sommeil par contre. Je vais manger autant que je peux. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné pas mal, ben, les champignons séchés. Hein. Il pleut et il fait nuit noire. Alors on va paramètres. Ça, on pourra y voir un peu. Par là qu'il faut que j'aille, Henri. Et il commence à piquer du nez, fait chier. Est-ce que j'ai des trucs qui pourraient augmenter son énergie? Énergie 4. 3.
10 à moins 6, fais chier. Le truc c'est qu'il va piquer du nez comme un idiot et je vais pas pouvoir mener ma mission à bien. On va cancel la mission. Et on va aller de nouveau à Thalberg. Pour aller y dormir. Si j'arrive à survivre au voyage. Si je vais retourner là-bas. Allez, Henri. Il est complètement à moitié mort. T'inquiète, ton lit bien douillet qui t'attend. Voilà. Dormir et sauvegarder. Voilà, allez. Allez, allez. Si j'avais mangé, je vais dormir encore un peu. Retourner manger. Enfin, là je suis à combien d'alimentation? 63. Je vais dormir encore un peu. Ah, j'ai déjà dormi trop longtemps. Bon, bah, du coup, on va aller voir si, si le marchand il a quoi que ce soit d'intéressant pour nous. Donc, je vais juste attendre, du coup, jusqu'à 17h. Puis je vais faire le voyage à cheval. Voilà. Vos tabacs. Le Dieu vous accompagne. Merci. On peut faire affaire si vous avez l'argent. Carte au trésor, fief, flèche, schnapps du sauveur, viande séchée. Ben, on va t'acheter un peu de viande séchée. Ok, non, ça nourrit pas des masses. Vin de basse qualité, bandage. Ouais, t'as pas grand chose. Le fromage, il est complètement pourri ton fromage. Tiens, je vais te vendre les cartes ancestrales, on ira à la chasse au trésor plus tard. Je vais te filer ce crochet qui est usé.
Ainsi qu'un peu. Un fléau, non. Règle sans frottin. Tiens, voilà. On va retourner dormir. En espérant qu'il me laisse dormir cette fois. Dormir. On va dormir 2 heures. Ça, on sera bien. Tout va manger. Sécher. Toc, 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 toc. Je pense qu'on pourra pas avoir mieux. Du coup. Mon cheval. Et voilà mon cheval. Non, ça c'est le rouan. Il est où mon cheval? Ouais, je vais sortir, hein. Galet, hop. Nous allons donc nous rendre à Preveslavice. À cheval, on devrait arriver du coup en début de soirée, dans le noir donc. Il y a un pont. Ce sera plus facile pour traverser les fortifications. Le terrain est dégagé des deux côtés, mais c'est le chemin le plus rapide pour mener l'assaut. Les hitbox quoi.
bon terrain pour une grande bataille, mais peu de couverture. C'est vraiment pas facile, la vie de camp. J'ai failli pas le voir, celui-là. On pourrait rejoindre le campement sans être vu par cette route. On les prendrait au dépourvu, mais une fois sur place, on se retrouverait au beau milieu des Koumans. J'ai tellement faim que je pourrais manger mes bottes. Arrête de boire pour aujourd'hui. Je peux pas le piller. Oh, le bug. C'est pas grave. Comment est-ce que je pourrais passer? Lui là-bas, il est seul. Ah, il est seul. Non, il n'est pas seul. C'est vrai.
Voyons voir. Arme, flèche de tournoi. Non, on va prendre la flèche incisive et on va mettre une potion de berceuse sur mes flèches. Ça alors? Je veux juste manger et dormir. Ah, il m'a pas vu. Percoumant, pantalon de chevet coumant. Ok, on va se déguiser. Ça va aussi piquer son arc. Et je suis en surpoids de beaucoup. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Les bandages, ça coûte juste cher, c'est pas lourd. On va lui redéposer ça. Que ceci. Ceci. Ensuite, au niveau du poids, qu'est-ce que je peux lui laisser? Cubitière de plate. On va lui laisser. C'est épée de bourgeois. Arrête de voir.
Oh putain. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens. Alors, viens voir, nourriture, décoction de soucis. Voilà, allez. On va essayer de voir ce que ça donne. En espérant qu'il morde à l'hameçon. Est-ce que j'ai d'autres trucs de soins? Alors, un instant. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai qui peut rendre la vie? Ça, non, ça, non. Ça, oui. Pour une autre décoction de soucis, hein. Ah, attendez, le chien. La discrétion. Et au passage, hop, que je puisse voir quand on parle. Voilà. Une clôture. Quelques hommes suffiraient à tenir cette position. Hey, te, váčekaj kicsit. Mit akarsz, hogy ennyit bámész kocit? Essayez de parler hongrois. Csakász kártatam kérezni valamit? Hé, te nem tartozol közénk! Honnan szedted ezt a göncöt? És mit akarsz itt? Barátaim, van itt egy betolakodó! Oh putain, c'est passé! Tiens donc, ces mécréants sont bien plus ordonnés que les bandits. Voyons voir, un peu de fléau. Tout est dans les épices. Qui vagy? Nicsak, nicsak. Mi bújt itt elő? Ott né! Látjátok? Ott az a genyláda! Bon, ah, on se tire. J'ai réussi à empoisonner leur bouffe, au moins.
Eh bien mon cheval. J'ai pas réussi à brûler leur réserve de flèches par contre. Pas réussir en posant une réserve de flèches, mais bon, on va bien voir ce que ça va donner. Par contre, j'ai récupéré plein d'armure. Attaque sur la route. Respecté. On va s'enfuir. Allez, on avance. J'aimerais finir le stream sur la bataille. Oh, des lucioles. Allez, on y est presque. On va arriver au camp de Monseigneur. Oula, oula, ça ramouille. Charge la zone. Là, je peux pas dormir. Il doit bien avoir un lit libre pour moi. Oh, monseigneur. Si ça vous dérange pas, je vais dormir à côté. Dormir et sauvegarder, voilà. En plus, on va, comme ça, on va pouvoir se remettre un peu de nos blessures. Pouvoir manger aussi. Au passage, je vais de nouveau baisser un peu le gamma du jeu, histoire qu'on y voit proprement, parce que là c'est très élevé.
Là, le jeu est quand même vachement clair. Alors, paramètres, graphiques. Voilà. Ça nique un peu moins les yeux. Alors, Monseigneur Radzik Kobila. Au passage, je vais peut-être me rhabiller décemment. Alors, on va voir. Qu'est-ce que j'ai le camail, on va le garder. Ça, on va mettre ça à la place. Les bottes de cavalier Kuman. On va mettre des bottes de noble à la place. Le long cafran Kuman. Le hoqueton, on va le mettre. Et j'ai pas ma... pantalon... Merde, j'ai pas de gambison. Et même tous mes trucs sont trop niqués. Ok, bon. En fait, j'ai pas d'armure. Il va falloir que je retourne en ville. Il faut que je retourne en ville et que j'aille m'acheter de l'armure parce que là ça le fait pas du tout. On va retourner à Raté. Tel que je suis là, j'ai juste pas d'armure. Si on peut croiser des bandits, ça m'arrange par contre. Une petite attaque de bandits sur la route. Genre pas grand chose. Non, que dalle. Bon, tant pis. Niveau arme, je suis bon, c'est niveau armure. Le jeu. Ah, allez. Le seigneur soit loué. Pain à faire. J'aimerais te vendre. Les braies de noble verte, je les garde, ça je te le vends. Aubercoumant renforcé. Je vais le garder pour l'instant, on va voir à moins que tu me vends d'autres choses, parce que j'ai pas grand chose moi comme thune. Pas de cueil coumant, je te les vends. Long caftan coumant, je te le vends aussi. Les braies de noble verte, je te les vends. Qu'est-ce que tu peux bien me vendre? Brigandine, brigandine. Épaulière plate de Saxe. Gambison. Grand bassinet. Oh putain. Hoqueton court. Pourpoint de Bavière. Pourpoint de Gutenberg. Pourpoint hongrois. On va partir sur un pourpoint hongrois. Ah bah
c'est trop cher. Du coup, acheter, on va partir sur un pourpoint de Kutenberg. Et c'est tout. Et vendre armure, arme, tu n'achètes strictement rien. Vérifier panier. Si je peux te vendre pour un peu plus. Eh bien. Ah, tu me fais pour 110. Que dites-vous de cette somme? Ça commence à être. Allez. D'accord. Ça commence à être. Ouais, ça pourrait le faire. Voilà. Ça, on va se donner un coup de flotte. Tout ce qui pousse dans le sol, tout est frais. Venez, approchez. Voilà, équipement. On va mettre le pourpoint. J'ai tout d'équipé là. Les gants de chasseur, les brassards. Il va falloir que je fasse tout réparer maintenant. Alors on va voir. Ça. 142. Mais c'est mon armure principale donc. Et si on parlait un peu du tarif? Bien entendu. Ouais, j'ai pas du tout assez d'argent. Mmh. 131, il faut que je lui vende des trucs là. Le truc c'est que je n'ai absolument rien à lui vendre. Ça, ouais bon bah du coup, j'ai pas grand chose. Bah, je vais devoir aller à baston comme ça. Pas vraiment le choix. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse vendre? Oui, oui, l'arc courant, tout ça, ça je peux les vendre. Je vais voir un marchand d'armes pour ça. Du pain, du bon pain. Vous savez tous ce qui s'est passé. Venez en aide à votre bouche. Bonjour. Parlons à faire. Vendre. Bouclier lourd, ça je garde. La hache Kuman, je garde aussi. Arme. Tiens, et l'arc, t'achètes pas les arcs, toi. Ok. Ok. Alors, voyons voir. Qui pourrait m'acheter l'arc? Le maître archer qui est au nord. Allez, on y est presque. Une fois que c'est bon, on va faire le baston. Ça va être un grand moment. Que Dieu vous accompagne. Parlons à faire. Voilà. Vendre. Et je peux tendre que mes flèches, mais à qui je le vends l'arc? Parce que j'ai un arc qui me sert à rien. Un marchand général? Alors du coup.
Marchand généraliste, il est où? Oh, allez, on va aller voir là-bas. On va faire un petit voyage rapide par ici, hop. Demi-tour, hop là. On va voir le marchand généraliste et lui, peut-être qu'il va me l'acheter, le putain d'arc. Le marchand d'armes ne veut pas de l'arc. Le marchand d'armure, évidemment, ne veut pas de l'arc. Le jeu en chie, mais c'est pas grave. On y arrive. Portez-vous bien. Parlons affaire. Voilà, lui il l'achète. Ouais, j'ai pas les stats pour le porter. Du coup, je vais le vendre. Maille, bouclier lourd. Oh mais il a pas assez de thunes, t'es sérieux. T'es une merde. Allons voir si notre copain là-bas il a de quoi faire. Sinon ben tant pis hein. Je vous présente mes... J'ai des objets... D'accord. Ça, c'est bon, il a un cas et quelques. Bouclier lourd. Pff, le bouclier serait utile quand même. Parce que vu qu'il va y avoir des archers... Allez, vas-y. Bam. Flèche incisive, de toute façon, c'est celle-là que j'utilise, moi. Voilà, un peu d'argent. Du coup, on va pouvoir aller faire réparer un minimum mon matos. Quoique... C'est pas utile. On va retourner à Rovna. Je sais, c'est long. Si possible, se faire attaquer sur la route, c'est toujours sympa parce qu'on pourra récupérer plus de thunes. Ah, un cadavre sur la route. Qu'est-ce que c'est? Mes hommages. Qu'est-ce que vous faites, meurtrier? Quoi, parlez-vous? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je vous ai vu détrousser le cadavre. J'examinais la scène du crime. J'examinais ses blessures. Je voulais voir si je pouvais encore la sauver. Et donc? Je n'ai rien pu faire, hélas. Bon. J'imagine que c'est pas vous le coupable, après tout. Ravi que vous soyez revenu à la raison. Et qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là, au juste? Où voulez-vous en venir? Avouez votre crime, c'est encore le mieux.
Je sais ce qui s'est passé. Ah oui. Si vous m'accusez d'un crime... Désolé, vous n'avez... Qu'est-ce que vous fabriquez ? Voilà. Fais dodo. Donne-moi la Morgenstern. Je te donnerai une hache. Voilà. C'est mieux une hache. Épée de bourgeois, des fruits secs, quelques gros chênes. Bottes de cavalier décoré, chaperon jaune. Une épée de bourgeois. Et on se tire. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Du coup, ça fera du fric plus tard. Attaque sur la route, bon ben, on va la faire. Vous voulez gagner un peu d'or ? J'ai un plan à vous proposer. Y a pas plus sûr. On le tient. Ce sera vite expédié. Tu vas te payer cher. Malédiction. Je crois que ça va bien. T'en pitié. Alors, voyons voir, un colerin noble, cubitier en plate, crochet je prends, crochène je prends. Nécessaire le forgeron. Toi, ton chapeau est bien. Ton pantalon aussi. Armure. Toc. Ça, c'est très bien. Et Aubert, il n'y a aucun de vous deux qui a 4 codes de maille. Bon, on va finir le chemin à pied. Ah, te voilà. Allez, on a la route. Alors, je vais juste revoir quels sont les combos que j'ai à ma disposition. Compétence, alcool, équitation. J'ai presque envie de le mettre en cheval de course, mais bon. Combat, épée.
Projet le Zornort. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Alors, voyons voir. Faux tranchant, c'est haut, droite, bas, gauche. Milieu, droite, bas. Enfin, mieux, gauche, bas, d'accord. J'ai celui-ci. Celui-ci. Ok. On manque pas une. Ok. Et mon cheval a continué à avancer tout seul. Ok. Ce cheval. Putain. Méroled. Ah, il y a un point de voyage rapide, ça me serait utile ça. Charger PNJ là le jeu. Allez. Bon. On va essayer de réparer autant que possible mon matériel. Que je me forge à la réparation, putain. Monseigneur. Qu'est-ce qu'il vous faut ? J'ai fini mon repérage. J'ai fini mon repérage, monseigneur. Merveilleux. Qu'avez-vous découvert ?
J'ai essayé de les compter. Et combien sont-ils? Souviens-toi que je compte sur tes informations. Nous devrons faire appel. Chaque homme qui nous accompagne manquera ailleurs. Et je ne... Ils sont assez nombreux quand même. J'ai pu voir qu'ils étaient assez nombreux. Damnation. Nous avons absolument besoin de renforts. Mais nos hommes de Thalmberg devraient suffire. Je n'aime pas laisser le château sans protection. Il y a également des Coumans. Il n'y a pas que des bandits sur le campement. Il y a aussi des Coumans. Ils sont assez nombreux. Des Coumans, dis-tu? Mais d'où sortent-ils, bon sang? Est-ce que Sigismond aurait pu les laisser là-bas? J'ai pu voir leurs armes et armures. Il ne s'agit pas d'une véritable armée, mais ils sont plutôt bien équipés. Et les archers? Ah, les archers, ils sont bien positionnés. Ils sont assez nombreux, et ils sont bien positionnés. Je n'aime pas du tout ça. La situation se... Ils préparent quelque chose au milieu du campement. On dirait qu'ils fabriquent de grandes échelles. Des échelles? Ils m'ont tout l'air de projeter un siège. D'un autre côté, cela pourrait jouer en notre faveur. Si l'on parvient à s'emparer de ces échelles... Des bandits peuplent le campement. Ce ne sont pas des villageois avec des fourches, mais pas non plus des soldats de métier. Je n'en attendais pas moins. Ils ne me font pas... Les bandits sont retranchés dans les bois, dans un village abandonné. Ça m'a tout l'air d'être Pribislavis. C'était une possession du seigneur Divish, avant que Havel Medek ne l'attaque, l'incendie, puis emprisonne le seigneur. Depuis ce jour, j'osais espérer qu'il ne soit pas aussi bien organisé. Oh, la connexion. Il est bien plus délicat de s'attaquer à des fortifications et des bâtisses que de se défaire de la vermine dans les bois. J'ai rien découvert de plus. C'est tout ce que j'ai vu, monseigneur. Bien, jeune homme. As-tu réussi à se... J'ai réussi à empoisonner leur nourriture. Ils devraient être trop malades pour résister. Rusé comme un renard. Si seulement tous mes hommes étaient comme toi. C'est tout, monseigneur. N'aie crainte, Henri. Tu as prouvé que tu étais un excellent espion. J'ai besoin que tu partes voir le seigneur Divish à Thalmberg. Dis-lui qu'il envoie le capitaine. Vous pouvez compter sur moi, monseigneur. Dis-lui de rassembler tous ses hommes en laissant une ou deux sentinelles au château. Et de se mettre en route pour Pribislavis. Espérons... D'accord, je m'en occupe. Et fais vite. Le temps nous est... 250 brochettes, ouais. Allez. Saboter le campement avant la bataille, ben j'ai pas pu faire plus, mec. Hein. Voilà, c'est un ratique que c'est fait. Que Dieu vous accompagne. Des armes, j'aimerais bien équiper mes flèches, merci. Bon, du coup, on va à Thalmberg, on accepte. Depuis Thalmberg, on pourra normalement s'équiper. Oh putain, mais la connexion qui part tellement en couille. Thalmberg, on pourra réparer notre équipement, on pourra peut-être même acheter du matériel. Ou en voler. Mais non, je veux pas voler du matos. Un peu. Ah, merci de m'ouvrir. Qu'est-ce que... Regardez où vous mettez les pieds. Ah, c'est bon. Difficile.
Bon alors, Captain Robard, il doit être à l'étage. Seigneur Divish, bon. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui... Le seigneur Radzig m'a envoyé délivrer un message important. Il a besoin de renforts. Des renforts? Des bandits et des Koumans ont installé leur campement à Pribislavis. Ils préparent un coup. Le seigneur Radzig veut mener un assaut contre eux. Attends. Doucement, reprends. J'ai réussi à localiser le campement des bandits qui ont assiégé Neuhof. Il ne s'agit pas d'une bande de brigands, mais d'une petite armée sur des installations fortifiées. J'ignore ce qu'ils manigancent, mais je suis persuadé qu'ils préparent un coup. Et le seigneur Radzig souhaite les anéantir avant qu'ils ne puissent agir. C'est pire que ce que j'imaginais. Mais le seigneur Radzig a raison. On doit intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Je vais vous envoyer mes soldats. Le seigneur Radzig m'a dit de rassembler tous vos hommes en laissant l'effectif minimum au château. Quoi? Tout le monde? C'est qu'ils sont vraiment nombreux, seigneur Divish. Lui aussi va laisser notre campement presque vide. On doit aller les rejoindre à Pribislavis. Bon, très bien. Le seigneur Radzig, c'est ce qui peut-tu bien les y emmener dès maintenant? Je dois d'abord me préparer. Je dois d'abord rapidement... Bien. Mais fais vite. Il ne devrait pas s'attendre à notre assaut. Un dialogue. Parce qu'on va pas attaquer de nuit, on n'est pas fou. C'est idiot d'attaquer de nuit avec une armée. On va lancer l'attaque dans la matinée. Je vais nettoyer mon armure, histoire d'être un beau chevalier clinquant au moment de l'attaque. Venait de par là. Hey, pour qui vous vous prenez? Fichez-moi le camp d'ici. Je veux prendre un bain, moi. Elle est où la propriété des bains? Bah du coup, je suppose que je pourrais pas prendre de bain. Attends, il est pas 6 heures quoi. Ouais, si, 21h c'est le couvre-feu. Tu vois, je rapide, c'est vraiment parce que j'ai la grosse flemme. Donc on va aller dormir. À sauvegarder. On va se lever vers 4h30. Full en énergie.
On va lancer l'assaut, du coup on devrait frapper vers 6 ou 7 heures du matin. Donc on va annoncer au seigneur que l'assaut va commencer. Vous êtes sérieux? Qu'est-ce qu'il y a? Seigneur Robard. Vous, pourquoi vous venez fouiner par ici? Fichez le camp ou je m'occupe de vous faire dégager. Ah. Je suppose qu'il va falloir que j'attende encore un peu. Allez, allez, voilà, on va s'arrêter là. Allez, réveillez-vous. Ah, Robert, où je vous parle. Portez-vous bien. J'aimerais m'améliorer. Bien sûr. J'aimerais apprendre. D'accord. Je paye. Maintenant.
J'aimerais m'améliorer. Bien sûr. J'aimerais parfaire mes... Commencez par perfectionner. Bon, je... Pourriez-vous m'apprendre... Bien sûr. Je voudrais connaître... D'accord. Maintenant... Maintenant, faut que je trouve son seigneur. Où il est, le seigneur ? Bonjour. Quelle a... Je suis prêt. Je suis prêt. Que Dieu vous accompagne dans la bataille. Allez. Je pense que ça va nous téléporter. Ravi de vous voir, capitaine Robard. J'espère qu'Henri vous a tout expliqué. Oui, même si j'ai eu du mal à le croire. Qui pourrait bien rassembler une telle puissance militaire? Et juste sous notre nez. Nous le verrons bien. Mais je ne crois pas que nous en saurons davantage avant la bataille. Si nous n'intervenons pas maintenant, qui sait ce qu'ils seront en mesure de faire dans une semaine ou deux? Je partage votre avis, monseigneur. Quel est le plan? Bien, Henri, nous sommes presque arrivés. Nous devons progresser prudemment désormais. J'ai besoin que tu me décrives, monseigneur. Alors, c'est une grande responsabilité. Je ne pense pas que... Je t'ai posé une question, jeune homme. Tu as vu cet endroit de tes propres... Il y a trois façons d'entrer. Le sentier qui mène directement au campement, un long chemin passant par les bois et par-dessus un vieux barrage, ou un pont étroit au-dessus d'un grand fossé. Commençons par le chemin le plus direct, qui me semble l'approche la plus propice. Dis-moi davantage. Cette piste mène à leur rempart. C'est fortifié et des patrouilles sont présentes. Il y a de grandes chances qu'ils nous tirent dessus en chemin. Nous avons de la chance de t'avoir, Henri. Nous emprunterons donc un autre chemin. Et pourquoi pas l'approche par les bois et le barrage? Je n'aime pas trop le fait que l'on doive marcher si longtemps à travers bois, mais si c'est la meilleure solution. C'est une longue route à travers les bois et des patrouilles donneraient l'alerte avant que l'on atteigne le campement. C'est ce que je craignais. Et la dernière approche par le pont. À mon avis, c'est un peu étroit. C'est étroit, mais une fois de l'autre côté, nous pourrions rapidement occuper le terrain le plus propice à la bataille. Nous n'aurions que quelques archers à abattre. Le terrain semble opportun, mais ce pont et ses archers, c'est une décision difficile. Chaque option a ses avantages et inconvénients. J'ai essayé de vous répondre du mieux que je le pouvais, monseigneur. Et tu seras dûment récompensé pour tes efforts. D'après tes dires, la route du pont semble être la meilleure solution. Si nous sommes rapides, nous aurons l'avantage. Avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, nous vaincrons. Allez, c'est parti. Là, va y avoir une petite sauvegarde. Désolé pour le stream, ça va être dégueulasse. Mais bon, sur la VOD, ce sera propre. Nous allons approcher par le sud et mener l'assaut par le pont. Formez les rangs. Arme. Orgenstern. En avant! Marche! Sur le pont! En vitesse! Je veux que vous atteigniez tous l'autre côté! Et ensuite, gardez vos positions! En avant! Marche! Prenez le flanc! Nous mènerons l'assaut à deux endroits à la fois! Plus un pas. Plus. Oh, la belle parade que je l'ai mis.
beaucoup nos délices. Alors là, on est en pleine bataille. Je vais prendre mon épée à deux mains. Je vais retirer le bouclier. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'ils font tous ? Progresser. Nourriture, poussée de personnes spiritueux. Ça ramouille. Ah, mais le stream est de retour par contre, donc tant mieux pour toi. Autant de chargements. Pour essayer de le comprendre. Mettre le feu à la paille. Voilà. Fait bolosser. Il y avait un qui m'a pris par derrière, dommage. Faut que je me souvienne c'est quoi mes combos. Par contre paramètres, parce que ça rame quand même, on va mettre le jeu en minimum. Bas. Voilà, on va mettre le jeu en bas. Histoire de gagner un minimum en fluidité. Du coup on va recharger la save. Agresseur rapide, c'était vraiment pas mal. Ah ouais. Et là, je vais même gagner un niveau en force. Le truc, c'est que j'ai pas de truc de soin. Là. Ça va être tendu. C'est un passage qui est dur. Alors attends. Du coup, j'ai gagné un niveau. Non, je l'ai pas encore gagné. Ok. Combat. Épée. J'ai ça, ça, toc, 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 ok. Ça, allez. Je t'en prie, heureux.
GG Robar. Allez, level up en force. Force, qu'est-ce qu'on va apprendre? Fossoyeur, non, forteresse, blocage bouclier, écoutement endurance, ça peut être bien. Mule 2, brise crâne. Brise crâne, forteresse, mieux bloquer au bouclier, sauf que je n'utilise pas le bouclier, donc on va prendre mule 2. Compétence, voilà, on s'en fout. Ils ont des jolis sabres et tout. Je suis complètement beurré. Attends, j'ai un truc qui dissipe la gueule de bois. En tout cas, qui dissipe l'effet de l'alcool. Non. Je lave du sauveur, je peux pas. Un peu d'eau potable. Pour régénérer un tout petit peu de vie. Nouvelle compétence à l'épée. Feinte, coup aveuglant, épée longue. Tac, tac, tac. Estoc, gauche, droite. Attends, le truc que j'essaie de faire c'est... Ok, c'est ça. Bon sang, à vos poches! Défendez cette satanée colline! Préparez-vous à vous défendre! Putain, il y aura du loot. Hein. Progressez! Normal, vas-y.
mange. Voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé. En minimum, le jeu rame un peu moins quand même. Alors attention, combat de boss. Je vais te pourfendre, sale fumier. Tu as déjà essayé. Et pourtant, je suis encore là. Quoi ? Mais t'es qui, toi ? Tu ne te souviens plus de moi ? Moi, je me souviens de toi. Où est ma putain d'épée ? Qu'est-ce que tu baves encore ? Quelle épée ? Attends. C'est toi ? Oh, merde. Je pensais qu'on t'avait laissé au corbeau. C'est un petit dur à cuire. Hein. Qu'est-ce que tu as fait de mon épée? À en juger par notre dernière rencontre, tu as commis une grave erreur en venant ici. Mon épée! Mais bon, peut-être que t'es devenu plus coriace. Je l'espère. Car c'était trop facile la dernière fois. Fight! Hop, par contre, paramètres, on va remettre le jeu en moyen. Tiens, un petit souvenir. Un deuxième. Avec toi. On va voir quel autre combo je pourrais lui mettre. Ça me paraît clair, c'est celui-là. Ah oh, putain, il m'a eu. Il va être Tandax. Il va être Tandax, mais c'était un bon entraînement. Faut que j'essaie ce combo-là. Ça devrait bien marcher. Attends, le jeu, il est bien en... Il est bien en moyen. Ah, il est Tandax, surtout que j'ai pas de vie. J'affronte avec 50% de PV, quoi.
Tiens. Focus. Oh, je l'ai eu. J'aurais voulu le finir avec un combo, mais j'ai pas réussi à le sortir. Quoique là, si ça avait touché, je l'aurais sorti. Murder's Road. Pas mal pour un paysan. J'en ai pas encore fini, ordure. Où est mon épée? Qu'est-ce que tu en as fait? Ah, le sale raclure. On se reverra en enfer. Dis-moi ce que t'en as fait. Je dirais que tu fouettes un cheval mort. Tu l'as tué, tout seul. Bien joué, beau travail. Je suis bluffé. C'était un colosse, cet homme. C'est lui qui a attaqué Neuhoff. Et volé votre épée, monseigneur. J'avais cru le deviner. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Si on l'avait eu vivant, le bourreau aurait pu lui soutirer des informations. Bref, ce sont des choses qui arrivent dans le feu de l'action. En tout cas, nous avons retrouvé une malle qui débordait de pièces. Ces hommes étaient manifestement très bien payés. Et il y avait des barbares de Sigismond parmi eux. Cette histoire est loin d'être finie. Celui qui a organisé tout ça a été haut placé. Ils n'abandonneront pas la première défaite. Ce salaud n'était qu'un pion. Vous avez raison, monsieur. Bon, on reprendra le combat plus tard, hein? Qui te quitte. Laisse-la sortir. Putain, Robin, il est tellement sympa. Allez. Oublie tout ça. Un honnête chrétien ne doit pas garder en tête de tels souvenirs. Je n'en suis pas sûr. Jamais je ne veux oublier ça. Il est temps que ces fils de chiens payent pour ce qu'ils nous ont fait. Certes, mon garçon. Mais d'abord, il nous faut du repos. Nous nous reverrons au château supérieur de Raté pour décider de la marche à suivre. Mais en tout cas, vous avez fait du beau travail. Henri Badass. Bon, maintenant, faut que je loote.
Faut que je loot et on va arrêter la VOD ici. Et le stream aussi d'ailleurs. Et là, ça aurait été... Oh la vache. Cette badasserie absolue du petit Henri. Allez, on a un chargement. Je pourrais pas, ouais, ils vont me téléporter ailleurs. Ah, fais chier. Je vais vous le faire payer. Il est temps de passer à la prochaine étape. Fais passer le message. Oui, ah, je le savais que lui, c'était un salaud. Ouais, je vais bien avoir la récompense, je vais bien pouvoir avoir une armure, quoi, une vraie armure. Au moins une vraie cotte de maille. Un tabard un peu classe. Bref, je vais bien avoir quelque chose. Déjà, j'ai eu plein d'XP. Je suis content d'avoir eu plein d'XP. Sœur Anouche, je vous ai récompensé pour réussir. Offrant votre propre chambre à Pierkstein. Oh, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'ils m'ont lavé la gueule? Putain, ils m'ont même pas lavé la gueule. Cheval. Il y a un cheval. Donc, il faut que j'aille où, moi? Juste pour voir. Ah bon, je suis un peu propre. J'ai retiré, genre, le... Genre, j'ai retiré le hoqueton. Je vais m'habiller un peu plus décontracté quand même. Voilà. Donc maintenant, il faut que j'aille au château supérieur de machin. Et j'ai une altération d'état. Gueule de bois, ouais, évidemment. On va aller... On va aller par là. On va aller voir si on peut acheter un peu de stuff, peut-être. Ou en tout cas vendre les quelques objets que j'ai pu récupérer. En fait, ce qu'il faudra, c'est que je m'achète des vêtements jolis que je mets juste quand je suis en ville. Allez, vas-y. Bonne journée à vous. Parlons à faire. J'ai que dalle en thune. Voilà, l'épée de bourgeois, là, je vais te la vendre. Bouclier lourd. Je joue pas au bouclier. Mais bon, c'est toujours utile. C'est parce que vu que les Morgenstern, c'est que à une main. Allez. Alors, allons voir s'ils vont m'offrir quelque chose. Est-ce qu'ils vont m'offrir ma propre épée? Je sais pas, moi. Ils vont peut-être m'offrir un truc. Porte supérieure de raté. Ouais, il pleut maintenant. Génial. Allez. Je suppose qu'il est à l'étage. Voilà. On va finir là-dessus. Monseigneur, je crains que vous n'ayez vu juste. Les hostilités à Pribislavis n'ont pas cessé. Ce n'est pas très surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes hommes m'ont signalé deux nouvelles attaques aujourd'hui. Oh, et le stream. Ah, Henri, tu tombes bien. Il semble que nous avons une nouvelle tâche à te confier. Viens te joindre à nous. Messeigneur. Salutations. Les bandits sont venus piller des hameaux reculés, mais ce n'est pas notre plus gros problème. Ils ont attaqué Meroyed, ce qui est bien plus grave pour nous. Meroyed?
Mathias travaille là-bas. Leur attaque a eu lieu après la bataille de Pribislavis. Ces chiens galeux voulaient nous prouver qu'ils ne sont pas diminués. Mais il y a une bonne nouvelle. Les villageois ont su les contenir. Et ils détiennent même l'un de leurs hommes. Il est blessé, mais on peut quand même l'interroger. Mes seigneurs, j'espère ne pas vous interrompre. Bien au contraire, maître Tobias. Question vite fait. Si je retourne après les services, est-ce que je peux piller les corps ou pas? Au vu des pièces que vous apportez là, dites-nous, combien de gros chiens avons-nous trouvé à Pribislavis? Monseigneur, navré de vous apprendre que mes nouvelles sont tout aussi déplaisantes. Ces pièces sont en réalité d'excellentes contrefaçons, si je puis m'exprimer ainsi. Contre quoi? Je m'en contrefous du terme utilisé. Qu'est-ce qu'elles valent, ces contre-pièces? C'est le problème, monseigneur. Elles ne valent rien. Ai-je bien compris ce que vous essayez de me dire, maître Tobias? Ces pièces ne sont qu'un amas de cuivre. Kurva! Merde! Plaquées en argent, donc elles ont un peu de... valeur. Kurva! Merde! Est-ce beaucoup de travail de confectionner ces copies, maître Tobias? Oui, monseigneur. C'est un travail très exigeant. Surtout pour forger des imitations de ce calibre. Il leur faut une fonderie, un bon nombre d'artisans et une source de matériaux. Mais elles peuvent aussi avoir été importées, si je ne m'abuse. C'est possible, mais les mines d'argent sont toutes proches et ces gros chênes ont l'air très récents, donc... Donc nous avons un ennemi qui a des ressources en pièces presque inépuisables. C'est bon à savoir. Doppledel. Très bien, messieurs. On sait ce qu'il nous reste à faire. Aller interroger ce détenu, connaître leur nombre et les priver de leurs ressources d'argent. Sous peine qu'ils installent bientôt un nouveau campement. Si ce n'est pas déjà fait... J'en doute, monseigneur. Si c'était le cas, Meroyen n'aurait pas pu les contenir. Eh bien, je t'ai dit qu'on avait une mission pour toi, mais je ne pensais pas qu'il y aurait tant à faire. Mais tu as déjà fait tes preuves en tant qu'enquêteur, et j'ai donc toute confiance en toi. Va à Meroyen et interroge ce prisonnier. Découvre ce que les brigands dissimulent, combien ils sont et quels sont leurs plans. Et pendant que tu y es, essaie de récolter des informations sur la provenance de cette fausse monnaie. Bien, monseigneur. Bonne chance. On compte sur toi. Tous. Reviens dès que tu en sauras davantage. Je serai au point d'observation près de Tamberg. Bon, ouais, non, ils m'ont rien filé. Ils m'ont juste filé du taf. Bon, au moins, j'ai une chambre gratuite ici. Il s'en va. Bon. Eh ben, on va s'arrêter là. Sur notre petit Henri, il va falloir que j'aille... que j'aille me faire du fric d'une façon ou d'une autre, parce que j'en ai pas. Ouais. Ouais. Ouais, si, j'ai quelques trucs à vendre. Tiens, les marchands, ils sont pas loin. On va aller voir combien de fric on s'est fait au cours de la session, allez. Parce que j'ai envie. On va aller là-bas, on va aller vendre des trucs. Il faudra que je trouve un moyen de me faire de la thune, parce que j'en ai marre d'être pas armuré. Du coup, la prochaine fois, je chercherai un moyen en off, hein, je vais pas tout le temps streamer, là on a fait un gros truc. De mon côté, je vais essayer de me faire de la thune. Je vais voir s'il n'y a pas des bandits à chasser, ou des trucs dans le genre. Alors, voir, le marchand, là, il m'achète mes trucs combien? Parce que s'il faut, faudra peut-être que j'aille me laver, si c'est le cas, j'irai me laver en off. Le seigneur soit... Alors, voyons. Combien tu m'achètes mes trucs? 82. Ouais. Alors déjà, ça, les boîtes de cavaliers décorées, je vais te les vendre. Ça, je vais te le vendre. Ça, je vais te le vendre. Tout ça, va falloir le réparer, putain. Ça, je te le vends aussi. Et au niveau des achats, alors...
à vendre là, il n'y a rien. Au niveau des achats, tu ne vends aucune arme intéressante, tu ne vends aucune armure intéressante. Oh, il a pas assez d'argent, tu te fous de ma gueule. Bon. Ah, sur ce, on va s'arrêter là. Et moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Calam, et j'espère que ça vous aura plu. Oui, je devrais aller vendre au meunier, j'irai faire ça juste après. Allez, à plus !